Figurez-vous que je me promenais l'autre jour sur le marché de la Libération quand je suis tombée nez à nez avec un cocktail. Très très frais. Et intriguée, j'ai voulu en savoir plus. Donc derrière ces bons cocktails, il y a un homme qui s'appelle Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour, comment allez-vous? Alors Yannick, ça fait combien d'années que tu es dans le milieu du bar? Ben, ça fait exactement 16 ans maintenant que je suis derrière le bar, hein, et que j'ai décidé à partir de quelques années ou de 3-4 ans de vraiment pousser les trucs en partant à l'étranger pour pouvoir justement me perfectionner et pouvoir acquérir une certaine expérience à partager avec les gens au niveau du bar, que ce soit professionnel ou amateur en fait. Pour Mikui, il a bien voulu nous révéler les secrets de son cocktail signature. Je vais réaliser le yuzu and olive. Bon voilà, je commence par réfléchir le verre, très important. Ouais. 5 centilitres. 5 centilitres de vodka? Oui, de vodka. De vodka. 1,5. De liqueur de gingembre. 1,5 de liqueur de gingembre. 1 centilitre. C'est très puissant en fait. 1 centilitre voilà. De yuzu sauvage. Après, je rajoute du miel aussi. 1,5. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire là alors? Là maintenant, je vais distiller le miel avec l'alcool, sinon il va rester collé au fond. Donc il faut bien le distiller avec les alcools et tout. Ouais. Voilà. J'enlève l'excédent d'eau parce qu'il fait très chaud. Ça fond à une vitesse. C'est ça. Ouais. Check it, check it. Il y a un nombre de fois pour muer? Bah en fait, dès que le checker refroidit, on arrête. Parce que sinon, ça flotte. Voilà. Et là, je vais enlever aussi l'excédent. Ça prend très vite, j'ai rafraîchi, mais il faut changer les glaçons ou jeter les sandwichs. Moi j'ai jeté les glaçons. Voilà, là j'ai rajouté du ginger beer à la fin. Un petit peu, c'est un top-up, hein. Ouais. C'est un trait. Pour la déco, hein. Je rajoute un peu de glace pilée, sinon ça y a rien qui tient. Un peu de menthe, une tranche de gingembre confit, une écorce d'orange torsadée et le tour est joué. Vous êtes une excellente dégustation. Merci. Cheers. La suite, vous la connaissez? C'est juste jouissif en fait.